bienvenue dans cette nouvelle rencontre professionnelle dans le cadre des RAN 2020. Nous recevons aujourd'hui Flavio Pérez, directeur de la recherche et développement chez l'Effet Spécial, et Johan Forte, chercheur au Centre d'études supérieures de la Renaissance et de l'ART Intelligence des patrimoines, Université de Tours. Ils vont nous parler tous les deux d'un projet, très beau projet, qui s'appelle Mécaléo, qui est une découverte immersive et interactive des machines de Léonard de Vinci. Donc je vais tout de suite leur passer la parole pour qu'ils nous racontent le contenu, la genèse de ce projet qui permet de remonter au temps de Léonard de Vinci. Messieurs, c'est à vous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous écouter aujourd'hui. On va vous parler du projet Mécaléo, mais je vais laisser Johan introduire ce projet puisqu'il vient de Transmedia Lab et va présenter tout ça bien mieux que moi. Bonjour à tous, donc moi c'est Johan Ford, je suis ingénieur en informatique au sein du programme Intelligence des patrimoines et je suis en charge d'un point de vue technique de différents projets de médiation numérique. Alors peut-être pour commencer, pour vous présenter brièvement le programme Intelligence des patrimoines, il s'agit d'un programme de recherche qui est dit ARD, Ambition, Recherche et Développement, et qui est financé par la région Centre-Val de Loire. L'objectif de ce programme, c'est de valoriser, à travers différents projets de médiation numérique, les données qui sont ici de projets de recherche et qui sont relatives au patrimoine à la fois culturel et naturel en région Centre-Val de Loire. Alors, pour vous donner quelques chiffres, ça représente le programme, il fédère près de 150 projets de recherche au sein d'un réseau de 360 chercheurs et qui sont eux-mêmes issus de 34 laboratoires en région Centre-Val de Loire. Maintenant, donc, concernant le projet Mécaléo, donc c'est l'une des nombreuses expériences de médiation numérique du programme. Et il s'agit d'un projet qui a vu le jour grâce aux travaux de recherche qui ont été réalisés par Pascal Briouat, qui est un chercheur spécialiste de Léonard de Vinci, et qui est affilié au Centre d'études supérieures de la Renaissance, qui est situé ici à Tours. Et le concept de Mécaléo, il était de proposer au grand public un jeu vidéo sérieux qui leur permettait de découvrir le génie créatif de Léonard de Vinci. Et l'idée qui s'est concrétisée, elle a été de s'inspirer du principe des escape games pour que le joueur puisse se familiariser avec la mécanique de Léonard, donc le célèbre ingénieur italien que tout le monde connaît. Et plus concrètement, dans Mécaléo, vous vous retrouvez plongé dans un atelier de la Renaissance qui aurait pu être celui de Léonard de Vinci à Romorantin, et dans lequel il vous faudra résoudre des énigmes pour reconstituer des machines qu'il a inventées. Et dans cet atelier, vous trouverez également des codex, qui sont des écrits rédigés par Léonard et qui vous permettront de résoudre les différentes énigmes que l'on peut trouver dans le jeu. Et voilà, pour profiter en fait d'une immersion maximale, le jeu il a été développé pour support VR et il sera bientôt accessible sur le web, sur notre site Renaissance Transmedia Lab, qui est en fait une sorte d'atelier virtuel réalisé en lien avec le Centre d'études supérieures de la Renaissance et qui regroupe diverses expériences sur la thématique Renaissance. Mais Mécaléo, donc notre jeu sérieux, il intègre un projet qui s'appelle Léonard, tout simplement, et qui est directement en lien avec un web documentaire dans lequel on suit notre chercheur, Pascal Briouat, pour découvrir des facettes inédites de Léonard de Vinci. Et donc pour conclure et faire le lien avec toi, Flavio, donc c'est pour le développement de Mécaléo qu'on a fait appel à l'expertise d'effets spéciaux. Alors, je vous reprends le relais. L'effet spécial, juste pour présenter rapidement, c'est un studio d'animation à la base. On travaillait pour le cinéma, le long métrage, et on s'est retrouvé de fil en aiguille à travailler pour des musées. C'était quelque chose qui nous intéressait particulièrement, de travailler sur la médiation culturelle et scientifique. On a travaillé pour le musée de l'ODEF, par exemple, en créant une heure de contenu. Et dans ces travaux, on s'est retrouvé à faire des projets interactifs.
il y avait quelque chose dans l'équipe, il y avait des gens dans l'équipe qui étaient déjà très sensibilisés à ces questions-là, qui faisaient déjà des jeux ou ce genre de choses. Le côté interactif a apporté quelque chose de nouveau aussi au programme qu'on pouvait accompagner sur les musées notamment. Et quand on a vu effectivement l'appel d'offres autour du projet Mécaléo, on a été très intéressé par la démarche et on a répondu. On a pu montrer qu'on pouvait monter une équipe aussi, parce qu'on n'avait pas encore fait vraiment de VR jusqu'ici, donc ça c'était une nouveauté pour nous et on aime bien être aussi sur des choses nouvelles et expérimenter. Là, on est en train de faire beaucoup de réalité augmentée en ce moment, par exemple, qu'on n'avait pas fait avant. Donc on teste des choses et donc on a montré aussi qu'on pouvait essayer de réunir l'équipe nécessaire pour cela. Et donc on a été retenu, on était très content de travailler avec Transmedia Lab et Intelligence et Patrimoine sur ce projet qui était très riche. Donc en enseignement et aussi en création en matière à manipuler et à essayer de montrer au public. Donc ça a été très enrichissant, mais on pourra y revenir sûrement tout à l'heure. Le jeu a été fait, alors pour une petite note technique, sur Unity, qui est un moteur de jeu qui est très en vogue aujourd'hui, mais qui est très pratique pour faire des petits projets, dans le sens pas des triple A, des gros jeux vidéo du marché, mais des petits projets avec beaucoup de notions de prototypage. On va tester des choses aussi. Donc, dans le prototypage, c'est très, très utile aussi. L'objectif, c'était de le faire sur casque VR, avec comme premier device utile le Vive, qui était un des casques les plus disponibles à ce moment-là. Et très vite, en cours de production, on a fait aussi une adaptation pour l'Oculus. Comme ça, on couvre au moins les deux grandes familles de casques pour que le projet puisse être diffusé le plus simplement possible. Voilà pour une petite explication technique de ce qui s'est présenté. Merci beaucoup pour cette présentation. Une première question, comment s'est passée la validation scientifique du jeu? Comment être sûr que les données que vous transmettez dans cette découverte immersive et interactive sont validées scientifiquement? Et comment faire en sorte que cette validation scientifique soit compatible avec une expérience ludique pour l'utilisateur du jeu? Donc, pour la réalisation du jeu, on a vraiment été en lien constant avec le chercheur Pascal Briouat, donc pour valider l'ensemble des éléments scientifiques du jeu. Donc ça a concerné la totalité des assets que l'on retrouve dans le jeu, donc bien sûr toute la partie mécanique qui est le cœur du projet, donc où les modèles 3D ont vraiment été dans un premier temps, c'est des outils de recherche, ils ont vraiment été reconstitués rigoureusement, scientifiquement. Donc, à partir d'analyse des codex de Léonard de Vinci, il y a tout un travail scientifique qui a été produit dessus. Et ça a exactement, ça a aussi concerné tout ce qui a été l'ensemble des éléments architecturaux aussi, les intérieurs, les extérieurs, où on s'est vraiment retrouvé face à des cadastres anciens pour reproduire le plus fidèlement le décor extérieur, aussi des gravures pour voilà, quel type d'escalier était utilisé, quel type de porte on devait avoir. Parce qu'il y a vraiment des chercheurs pour toutes, voilà, des chercheurs, des spécialistes des fenêtres de la Renaissance, ça existe. Et donc, c'est un travail voilà, qui concrétise vraiment tout ce type d'éléments-là. Et donc voilà, ça a été en lien donc constant avec Léonard, non pas avec Léonard, avec Pascal Briouat qui représente Léonard. Donc voilà ce que je peux dire pour une validation, pour faire une espèce de transition. Comment est-ce qu'on travaille avec le chercheur et comment est-ce qu'on fait le lien avec l'effet spécial qui ont participé, enfin qui ont effectué le développement. Alors nous, on a l'occasion de prendre le relais à ce moment-là, effectivement, avec une grande bibliographie fournie pendant le projet. Et on va commencer à faire différentes choses. Il y a des machines d'un côté qui vont être le cœur du projet, mais il y a aussi l'environnement. Donc, ces deux aspects très importants. Les machines, on va recevoir des fichiers AutoCAD et des fichiers créés par les ingénieurs de l'université de Tours qui ont vérifié que mécaniquement ça fonctionnait. Et nous, on devait les retransformer en machines comme si elles avaient été fabriquées. Pas une perfection mécanique, mais voilà, des machines un peu, des pièces un peu usées ou ce genre de choses. Donc, on a remodélisé ces machines selon ce principe en essayant de suivre une proposition comme ça artistique assez réaliste. Scientifiquement, on touchait absolument pas aux mécaniques elles-mêmes, mais on se permettait quelques libertés dans les petits détails pour sortir de ce modèle
AutoCAD, quoi, le modèle vraiment structure mécanique pure et dure. Et de l'autre côté, travailler sur l'environnement, c'était assez intéressant parce qu'on a commencé à faire des propositions aussi de structuration d'immeubles ou ce genre de choses parce que dans l'atelier, les fenêtres sont ouvertes et on voit la rue. Ça a été beaucoup d'échanges assez rigolos sur oui, mais cette fenêtre-là, on ne pouvait pas l'utiliser à cette époque-là. Donc, on essayait de mélanger un peu les différentes sources puisque ce quartier n'existe plus aujourd'hui, bien sûr. On a encore quelques maisons qui témoignent de cette époque-là. Et donc, c'est un mélange de ce qu'on peut trouver à Romorantin ou ce qu'on peut trouver à Tours qu'on a essayé de reconstruire pour ce quartier. Et à chaque fois, effectivement, des allers-retours avec Transmedia Lab pour valider de cette typologie d'immeuble. Bien sûr, on a fait une bibliothèque de façades possibles qu'on pouvait réagencer comme on voulait en fonction de quel côté de l'atelier on se trouvait. Donc voilà. Quelles ont été les principales difficultés, les principaux obstacles que vous avez rencontrés et comment avez-vous réussi à les surmonter, peut-être du point de vue de la rédaction du scénario, du point de vue de la réalisation des images? Alors j'en vois une, oui, effectivement, dans ce projet et de manière plus générale dans ce type de projet, je pense que la principale difficulté, c'est vraiment de trouver un juste milieu, comment dire, entre le monde scientifique d'un côté et l'aspect ludique de l'expérience de l'autre, sans pour autant dégrader l'outil de base qui est la donnée scientifique. D'où l'intérêt d'être en échange constant avec le chercheur pour discuter, construire ensemble et éventuellement parvenir à des compromis sur certains points, parce qu'on peut pas, effectivement, on peut pas tout faire. Mais au final, aussi bien pour chercheurs que les experts en médiation ou les experts techniques, c'est vraiment une expérience qui est extrêmement enrichissante. Effectivement, pour le chercheur, c'est vraiment la concrétisation ainsi que le partage de mois, voire d'années de recherche. Tandis que pour l'expertise de médiation et technique, c'est un nouveau défi à relever déjà et des nouvelles données, des nouveaux types de données à exploiter. Donc, on apprend énormément de cette principale difficulté. Moi, je peux aussi prendre le relais pour cette question. Pour un studio comme le nôtre, il y a d'abord en fait la chaîne de fabrication. Nous, on est habitué à venir du programme dit linéaire, faire un film par exemple. On va préparer, surtout dans l'animation, on va préparer le storyboard, on va tout construire de façon assez linéaire finalement. Et là, on est sur un programme interactif. On a un jeu d'itération qui est très très différent et qui nous a poussé à vraiment restructurer la façon dont on devait organiser le projet, suivre la fabrication, parce qu'on va commencer souvent par ce qu'on appelle les placeholders. Pour l'instant, la pièce, elle est moche, c'est juste un cube vide, on ne sait pas encore où sont les objets, la machine, peut-être même que ça va être juste voilà, un pavé dans un coin de la pièce. Et on va construire au fur et à mesure, comme ça, de façon itérative, et au fur et à mesure qu'on va créer de nouveaux assets, on va pouvoir les remplacer petit à petit. Et ça nous pousse aussi à voir différemment la fabrication du projet. Ça, c'était la principale difficulté. Voilà, c'était cette restructuration finalement de la façon de travailler. Après, les difficultés inhérentes au projet, comment on fait une interface utile dans le jeu lui-même, parce qu'on voulait pas ce qu'on appelle d'affichage tête haute, c'est-à-dire des informations qui restent là présentes, parce qu'en réalité virtuelle, ça marche très mal. Comment on trouve des moyens quand on récupère un des objets qu'on doit mettre dans la machine, comment on le stocke. Donc, on a une sorte de ceinture, par exemple, pour accrocher les objets. Quand on se déplace dans la pièce, ils restent avec nous. Comment on accède au carnet. Il y a le carnet où il y a des paramétrages ou ce genre de choses, mais il y a aussi tous les codecs qu'on a récupérés au fur et à mesure dans les niveaux. Donc, c'est vraiment de la recherche de mécaniques de jeu, du coup, qu'on teste, qu'on échange toujours avec Intelligence des patrimoines pour qui testent aussi de leur côté, qui nous font des retours. Donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle le game design document, c'est quelles sont les mécaniques de jeu, comment elles s'appliquent et quelle est l'interface qu'on doit créer. Et après, il y a eu aussi le passage au web, alors qu'on avait un peu anticipé aussi, mais qui n'utilise plus du tout les mêmes mécaniques de jeu. C'est le même, on utilise la même base de travail, hein, les mêmes salles, etc. Mais là où on avait des interactions dans l'espace avec éventuellement même deux manettes. D'un seul coup, on n'a plus cette interaction dans l'espace.
On a juste l'écran et on peut cliquer dessus comme une souris, hein, avec une souris. Et il faut prendre en charge aussi ces différentes interfaces. Et même, ça indique, par exemple, comment on va se déplacer, comment on va faire en sorte que ce soit facile de se déplacer dans ces pièces, dans une version qui est très différente au niveau des mécaniques de jeu. Donc ça, c'était une des autres difficultés aussi, c'est de trouver cet équilibre entre les deux versions d'un même jeu, mais qui ont des interactions très différentes. Comment, lorsqu'on réalise un jeu comme celui-ci, connaît-on, a-t-on une perception de l'attente du public et comment est-ce qu'on fait coller la réalisation de cette proposition à l'attente de ce public? Et par ailleurs, une dernière question, comment avez-vous un retour sur l'expérience de l'utilisation des publics pour peut-être améliorer de futures réalisations? Alors, dans un premier temps, avant notre collaboration avec l'effet spécial, on avait déjà produit un premier prototype que l'on a pu proposer dans différents salons et autres événements. Et à partir de cela, on a déjà pu récupérer différents retours de la part du public que l'on a pu prendre en compte dans la version actuelle de Mechaleo. Alors le public que nous avons rencontré lors de ce salon était très hétérogène, si je puis dire. Donc il y avait des enfants, des étudiants, des adultes, des chercheurs parfois ou non. Et à terme, on a ensuite pu compiler l'ensemble de ces retours pour enrichir le jeu vidéo sérieux avec la collaboration d'effets spéciaux. Et en ce qui concerne Intelligence des patrimoines, de notre côté, on a cette chance d'avoir une équipe qui est très complémentaire, avec des profils orientés médiation et orientés technique, donc ce qui a permis de constituer déjà une bonne base pour la conception de Mechaleo et pour répondre aux attentes des joueurs. Et en plus de cela, on a ensuite fait appel à l'expertise d'effets spéciaux qui nous ont également conseillé, apporté leurs compétences et expériences dans des domaines similaires, mais aussi des domaines qui étaient très différents. J'ajoute qu'on a eu l'occasion de faire aussi des tests au milieu de la production à peu près. On s'est rendu à la fête de la science à la mairie de Tours avec toute l'équipe du Transmedia Lab. Et ça a été l'occasion de faire tester un premier niveau. On n'avait pas encore tous les niveaux, on avait juste le niveau du lion pour que des joueurs de tout âge testent le jeu. Et on avait un questionnaire nous, à la sortie du jeu et on posait des questions. Donc on a vraiment fait une sorte d'étude de ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et être là en observation d'un public très différent de celui qu'on peut avoir au studio, qui a testé le jeu aussi au fur et à mesure, mais qui connaissait les mécaniques, ou qui connaissait déjà la façon dont on se déplace dans la VR, ou ce genre de choses. Donc ce test-là, à mi-chemin, était aussi très riche d'enseignements, et on a pu rectifier le tir sur un certain nombre de paramètres en changeant des choses. Enfin, on a même dû changer des choses pendant le salon. Donc on avait ramené le projet entier qu'on pouvait corriger. On a eu des corrections au début du salon pour avoir une expérience la plus fluide possible pour les visiteurs qui ont globalement vachement apprécié, hein. Il n'y avait pas que ce projet d'ailleurs sur le stand d'intelligence des patrimoines. Il y avait d'autres projets aussi en VR. Et c'était un peu voir comparer et trouver les mécaniques les plus fonctionnelles, aussi bien de façon ludique, que ça soit pas gênant, que ce soit pas une interface lourde ou une mécanique complexe à apprendre. Il y avait des enfants de 7 ans et puis il y avait des gens de 60 ans qui jouaient au jeu et le but du jeu, c'était que ce soit fluide pour tout le monde et même pour des gens qui n'ont jamais mis un casque sur leur tête de leur vie. Donc, ce test-là et ces retours ont été très, très précieux aussi pour améliorer les questions de ludiques et pédagogiques sur le projet. Merci à Flavio Pérez et à Joan Forte d'avoir partagé avec le public des rencontres professionnelles des RAN de manière distancielle cette année cette belle réalisation de Mechaleo, une découverte immersive et interactive des machines de Léonard de Vinci. Donc, merci à vous et puis bonne continuation. Merci Pedro, merci à tout le monde et merci à notre équipe aussi, Zui, Benoît, Henri, Mathias, Jérémy et Louis-Louise aussi pour. J'ai pas parlé du son, mais il y aurait beaucoup de choses à raconter encore sur ces aspects-là. Merci pour votre attention. Thank you.